Salut, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, il y a un gros retard. J'ai eu un problème avec le colis de la Beauty Food Box, donc il a fallu qu'il me le renvoie. Donc j'ai reçu là, il n'y a pas longtemps, donc du coup je me permets de faire la vidéo quand même. Donc je vais pas tarder plus que ça. Donc pour ceux qui me connaissent pas, je suis Kelly de la chaîne Syndrome de Renaissance. Si vous voyez des cercles sur mes lunettes, c'est normal parce que j'ai acheté une nouvelle Rhytmac que je vous ferai peut-être en vlog, je sais pas, je verrai bien. Qui se branche d'ailleurs sur Transfo, donc voilà pourquoi il y a un petit cercle, parce que vu que là il fait légèrement gris, donc voilà, si je filme aussi dans la salle pour le moment, c'est parce que il faut que je rachète un bureau pour la pièce YouTube, parce que j'ai changé l'organisation un petit peu, donc ce qui fait que je peux plus filmer dans la pièce YouTube pour le moment, parce que j'ai pas de bureau pour pouvoir poser ce que j'ai besoin, sachant qu'en plus il va me falloir aussi de la place pour le trépied, bref. Voilà pour le moment, donc je vais passer directement, donc voilà, donc alors la Beauty Food Box, donc voici comment elle est pour ce mois-ci, ainsi que j'ai aussi un cadeau qui était en dehors, c'est une bougie, je vous en parlerai un peu plus après en détail. Pour ceux et celles qui connaissent pas la Beauty Food Box, donc c'est une box beauté bio normalement elle est à 39,90, mais vu que moi j'ai eu un prix d'abonné à vie, donc je la paye 29,90 €. Donc il y a à peu près 5 produits full size, pas de miniature, il y a aussi un problème de fidélité, ce qui est plutôt pas négociable d'ailleurs. Grâce à ça, tous les mois, si on reste abonné, en fait, on a un produit en plus à chaque fois offert. Et au fur et à mesure des mois, on a aussi donc quelque chose d'autre en plus du produit qui est offert à chaque fois. Donc c'est plutôt pas mal niveau fidélité. Là-dessus, j'ai pas, franchement, y a rien à dire. C'est génial. Je vais commencer par la bougie. Donc j'ai reçu le cadeau donc en plus d'un produit normal. Donc là c'est de la marque Beija Paris. C'est apparemment Moana. Donc c'est une bougie parfumée fleur de tiare. Donc c'est une 180 grammes. Donc ça se présente donc comme ça. De toute façon, je vous ferai des close-up directement parce que vu que je suis en train de filmer avec mon téléphone, vu que j'ai des problèmes avec mon réflexe, donc j'ai pas le choix de filmer avec mon téléphone. Et vu que je peux me voir comme ça, les images ou les titres des produits seront à l'envers. Donc voici déjà comment se présente. J'adore la colorie et tout, ça fait vraiment génial. On a là le petit truc ici, hop, qui s'enlève et donc elle est blanche comme ça à l'intérieur. Et elles sont très bonnes, franchement, j'aime bien l'odeur, franchement, j'ai rien à dire, elles sont vraiment très bonnes. Donc j'ai hâte de pouvoir la faire infuser. Bref, du coup, ça c'est fait. Maintenant, on va pouvoir passer donc à la Beauty Food Box standard. Hop là, donc comme à son habitude, il y a le petit papier ici avec les produits et tout. Et donc là, pour le mois prochain, par exemple, j'aurai un vernis offert. Donc voilà, le petit vernis ici qui est offert, donc c'est cool. Donc comme à son habitude, donc on a les petits copeaux, le jeu de cartes et puis les produits, bien évidemment. Et donc, tenez, d'ailleurs, pour la bougie, donc... C'était pour l'arrivée du 14e mois d'abonnement. Donc voilà, donc c'est... Alors le produit a une valeur de 19,90 € la bougie. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ensuite, donc comme je disais, donc les jeux de cartes. Donc je vais prendre les jeux de cartes. Hop, voilà. Donc le premier que je pioche, c'est un shampoing sec au pamplemousse rose. C'est un... Donc de la marque Savon Story apparemment, si je vois bien. Ce produit a une valeur de 17 €. C'est un 50 grammes. Et donc saupoudrez sur votre cuir chevelu, puis séparez vos cheveux et répétez l'opération jusqu'à couvrir toute votre tête. Répartissez la poudre sur vos racines à l'aide de vos doigts, puis laissez poser 2-3 minutes. Enfin, brossez vos cheveux pour éliminer l'excès de poudre. Donc, c'est un shampoing en poudre, comme du talc, je pense. Donc, c'est au pamplemousse rose. Donc, c'est plutôt pas mal. Pourquoi pas tester? J'ai jamais testé ce genre de produit. Donc là, je serais peut-être intéressée à, pourquoi pas, à essayer.
Hop. Ensuite, je vois, je vois, je vois. Ça doit être celui-là, je pense. Oui. Donc là, ensuite, nous avons donc un sérum visage rose Doudou Coconu de la marque Biobi Oxalia, normalement, si je me trompe pas. C'est un 15 ml et la valeur du produit est de 29 euros, ce qui fait un peu cher pour ce que c'est. Donc là, conseil d'utilisation, donc le matin, après votre shampoing sec, express, prélevez une noisette de produit entre vos doigts, appliquez sur votre visage et cou en doux mouvement circulaire. Donc c'est pour le visage apparemment, donc voilà, un petit sérum. Je trouve quand même, niveau packaging, c'est très petit et en plus, ah, c'est un format pompe comme ça, un petit format donc pompe. Faites pas, ouh, faites... Donc c'est plutôt pas mal à essayer, pourquoi pas. De toute façon, voilà, ça me permet d'avoir un autre sérum. Ensuite, nous avons donc ça là avec. D'accord, donc je me disais c'était bizarre d'un coup. Là. Alors ça et le crayon. Ok. Ensuite, donc nous avons ici donc un set. Donc c'est un crayon highlighter rose métallique avec embout estompeur plus un taille crayon donc rose de la marque Beautiful Box. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après niveau couleur rose gold. Avec un petit estompeur ici, donc là vous avez donc le côté, donc là vous avez donc le côté estompeur qui est assez rigide quand même, et donc le côté crayon ici, donc apparemment c'est du rose gold. Donc voici comment ça se présente. Ouais, c'est légèrement rosé en gold comme ça. Donc, vous voyez la différence. C'est légèrement comme ma couleur, mais on voit que c'est brillant. Et puis, bah, son petit taille crayon. Donc, ouais, c'est sympa. Pourquoi pas, hein. Alors, par contre, ouais, c'est légèrement chelou quand même. Donc, apparemment, on peut le déboîter. Donc, voilà, c'est sympa. Alors du coup, le produit a une valeur de 9,90€. Donc voilà, donc c'est pas mal. Et c'est à combien de grammes? Il y a marqué ou pas? C'est à 1,1 g. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Ensuite, nous avons ici donc une gelée démaquillante, ça doit être ça là, oui. Donc là, ensuite, en produit, nous avons donc une gelée démaquillante rose, cool, de la marque Ayama... Alors, attendez, Ayam Mia, Maya ou Maya, je sais pas. Bref, le produit a une valeur de 16 euros, c'est un 125 ml, donc, alors là, c'est... au creux de main ou sur un coton. Bon, bref, c'est pour démaquiller et tout. Hein. Ça démaquille le visage, les yeux et les lèvres. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air pas mal comme truc. Donc, comme texture. Donc, hâte de tester. Hop. Et pour finir, donc... c'est une gelée soyeuse nuit... à la rose, c'est un 2 en 1 de la marque Florias. Donc c'est lancé par la Beautiful Box, c'est un produit d'une valeur de 36 euros. Donc là c'est un 50 ml et donc ils disent conseil d'utilisation. Donc après notre démaquillage, on prélève une noix de gelée entre nos doigts, on applique sur le visage et le cou en massant délicatement jusqu'à que ça ait complètement pénétré. Et ça peut aussi être utilisé en masque, en couche épaisse, à laisser poser comme ça, toi. Donc on peut l'utiliser en tant que, je pense, crème gelée ou en tant que masque. Ah, il est ouvert le pot ou quoi là? Je vois le truc qui est trans, qui est tout machiné bizarrement. Là. Là j'étais ouvert un petit truc. Donc là c'est bien parce qu'on a un petit capuchon ici, une petite barrette là pour pouvoir
du coup je pense retirer, ouais, donc c'est comme ça. Donc ça se présente vraiment en gelée, très très gélifié, donc c'était ouais, déjà un peu ouvert, je trouve. C'est bizarre, oui, mais bon. Ça sent super bon la rose. Donc voilà. Voilà pour la box, voilà pour ce mois-ci ce que j'ai eu. J'espère que bah, la vidéo t'aura plu et que les produits t'intéressent. Et pour ceux qui ont déjà eu leur box, bah, désolé du retard. Hein, malheureusement, j'ai eu un problème avec la poste en livraison. Et voilà, ça arrive. Voilà, donc bah écoute, je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!